Salut tout le monde, c'est Pixia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 19 pour le Baby Challenge sur les Sims 2. Bien sûr, vous reconnaissez quand même. Ça fait un moment, je sais, mais voilà, on y retourne petit à petit. Donc, je reviens dans ma grande famille. Franchement, ils m'ont pas manqué parce que c'est le bordel, déjà, je le sens. Alors, on se retrouve avec Jamie, Brandon, Aria, Zoé, Camille, Tom. Et Victoria. Franchement, je pourrais pas retenir tous les prénoms. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. C'est la fête. Ah bon? Ah mais oui, c'est vrai, c'était l'anniversaire. Ah ben oui, tout à fait. Ah, je n'ai même pas pris connaissance de mon histoire. Alors du coup, on va souffler les bouchées puisqu'apparemment c'est la fête bientôt. C'est la fête. C'est la fin de l'anniversaire bientôt. Donc voilà. Hein? Donc il faut vite fait souffler les bougies. Donc bien sûr c'était l'anniversaire de nos deux jumelles. Donc on va voir si elles vont devenir bombasses ou pas. Hein? En étant adolescentes. D'ailleurs elle aussi elle peut souffler. Ah non, elle ne peut pas. Seulement les personnes qui vont donc bientôt grandir. Allez c'est parti, on va regarder Zoé grandir. Belle, moche femme, telle est la question. Cette musique est vraiment entraînante, dis donc. Elle n'est pas du tout répétitive. Hey! Toutes les deux en même temps, c'est parfait. Pour une fois, tout est contrôlé. Elle se regarde, elle se demande ce qui se passe. D'accord. Bravo, déjà à Zoé, qui va. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait un demi-tour et puis... Ah! Elle se chie dessus! Oh! Par contre, elle sort en pyjama, donc c'est sûr que c'est pas... C'est un peu bizarre. Hein? On ne se rend pas vraiment compte de la femme magnifique. Alors, mes préférences... Qu'est-ce qu'elle aime comme homme? Elle aime les hommes musclés, virils et... Je sais pas. Et voilà quoi. Pourquoi pas athlétique? Parce que bon, qui dit musclé dit athlétique, non? Pourquoi pas? Ou alors elle aime les bruns. Oui, les bruns ténébreux. Et elle n'aime pas la logique. Non, quand même pas, on va pas faire ça. Elle n'aime pas les... Bah, du coup, l'inverse quoi. Les hommes un petit peu plus larges. Son aspiration, qu'est-ce que ça peut être? Popularité, plaisir, richesse, connaissance, amour, fraternité. pourquoi pas plaisir? Non, c'était chiant ça. Fallait sortir tout le temps et tout, franchement. C'est pas mon truc, moi. Je préfère rester chez moi. Donc, du coup, pourquoi pas ça? Oui. Ça peut être une intello. Ou alors, ça peut être. Ouais, pourquoi pas une intello. Allez. Va pour. Il n'y a même pas de vidéo pour l'autre. Non, mais... Discrimination. Ben... Ah! Donc, tu vas... Toi, par contre, tu vas chercher l'homme. L'homme. Le vrai. Et voilà. Et tu as les mêmes goûts que ta soeur parce que c'est ta jumelle. Voilà. Et comme ça, elles vont se battre pour le même homme. Voilà. C'est parfait. J'ai bien envie de les changer un petit peu, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre à un miroir. Si j'en vois bien. C'est compliqué parce que, en fait, du coup, avec les Sims 4, j'ai l'habitude d'avoir. L'habitude de cliquer ici pour monter les escaliers, et en fait, non, c'est là. Enfin, je me rends compte qu'en fait, je m'y suis fait, quoi, aux Sims 4, alors qu'avant, je m'y faisais pas du tout, quoi. J'y arrivais pas du tout. Donc, changer d'apparence, et toi aussi, tu vas changer d'apparence. Donc voilà, bon j'en ai un petit peu marre de ces petits flashs, enfin c'est vrai que le jeu lag pas mal quoi, enfin c'est pas qu'il lag mais enfin voilà, il y a des sautes de graphisme. Je saurais pas trop comment expliquer ce truc bizarroïde, mais je sais que ça arrive à pas mal de personnes, et c'est vrai que moi ça commence à me saouler là. Donc bien que j'apprécie fortement ce challenge, ceci me dissatisfait.
Hein? Vous comprenez? Ça me saoule. Voilà, donc j'espère que je vais y arriver, hein, que je vais finir ce challenge. Parce que voilà. Alors, je vais après aller aux toilettes. Bon, elles sont en train de manger. Et puis, il faudrait également changer de tenue, quoi. Non. Choisir sa tenue décontractée. Choisir sa tenue décontractée. Et utiliser. Réparer. Non. Non, il faudrait qu'en fait elles se détendent. Parce que là, elles sont pas du tout détendues. Elles sont très fatiguées. Donc ça commence bien. L'adolescence commence. Allez, on va la changer. Il faut juste qu'on attende un petit peu que ça charge. C'est vrai que ça prend du temps. Alors, elle est pas très belle, hein. C'est quoi ce visage? Pourquoi le visage est comme ça, quoi? On l'a fait avec qui déjà, ce bébé? On l'a fait avec lui, pourtant il est beau. Je comprends pas. Alors, on peut lui mettre les mêmes cheveux que sa mère? Ah, mais non, c'est pas les mêmes cheveux. Elle a une frange alors que sa mère, non. Bon, voilà, j'aime bien cette coiffure. Un petit chapeau. Je sais que je mettais ça avant. Voilà, c'était super beau. Franchement, je trouvais ça pas mal. Mais maintenant, je me dis, non, c'est pas génial. Ouais, c'est magnifique. Ça, je le mettais, hein. Non, quand même pas. Non, non, non. J'avais des mauvais goûts, mais pas à ce point-là. Alors, pas ça non plus. Pas ça, pas ça, pas ça. Ça, je le mettais également. J'étais là, putain, les canons. Waouh. Et en fait, non. Ce n'est pas très bien fait. Ah, ça, c'est vrai que j'adorais celle-là. Et vous voyez quand même, les cheveux bougent, hein. C'est quand même une technologie assez impressionnante. Celle-là aussi, j'aimais bien. Ouais, non, ouais. Bon, il faut savoir que c'est une femme, quoi, avec des cheveux longs. Voilà, ça c'est pas mal. Ouais, pourquoi pas ça, comme sa mère, hein? Hein? Elle copie sa mère. Elle veut avoir plein de gosses comme sa mère. Et plein d'hommes, exactement. Tout à fait, impérativement. Je vais mettre. Bah, ça? Ah, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de très beau maquillage non plus, quoi. Enfin, pas d'eyeliner transcendant. Ça, c'est très bizarre. Donc, c'est sûr que. Donc, je vais mettre ça. Et je vais mettre un petit rouge à lèvres. Pas trop rouge, parce qu'on voit bien que ça fait bizarre quand c'est trop rouge. Bleu, oui. C'est pas trop rouge. Voilà, alors, vous voyez que c'est pas très beau, donc autant mettre du rose, quelque chose d'assez fin. Vous voyez? Voilà. Bon, allez, ça, c'est bon, c'est parfait. J'achète. Je mets un petit peu de blush sur les joues, histoire de redonner bonne mine. N'est-ce pas? Ouais. En fait, j'aime pas trop la couleur sur les yeux, mais c'est pas grave, ça passe. Alors, les sourcils. Oh! C'est pas si mal ça. Ça, c'est trop fin en fait. Avant, je les mettais tout le temps. Mais voilà, maintenant la mode a changé. On met pas forcément des cils comme ça. On achète plutôt des cils comme ça. pas de lunettes. Et puis c'est tout. Hein? Je vais pas aller plus loin parce que là, je pars en couille. Voilà! Eh! Hey, elle est plutôt canon! Et toi, du coup, t'as. Mais. Et toi, du coup! T'as la même tête que ta sœur ou pas? On va voir ça tout de suite. Ah non, pas tout de suite. Excuse-moi. On n'a pas grand-chose en tenue. Ah, magnifique. Pourquoi pas ça? Ça doit être la tenue de sa sœur par contre, mais. Donc elle avait quoi? Ouais, c'est pas très beau. Oh! Ouais, je préfère qu'elle mette ça. Je pense que les deux sœurs auront la même tenue. C'est pas possible. Ou alors on ira faire un tour au magasin. Ah si oui, pardon, je t'ai dit de faire ça. Donc il y a plein de devoirs partout. Ah mais du coup, elles doivent quand même faire les devoirs qu'elles devaient faire il y a 100 ans. C'est nul. Moi je pensais qu'ils allaient s'évaporer. Je te demanderai, s'il te plaît, jeune fille, de faire ceci d'abord. Et par la suite de choisir une tenue. Voilà. Alors, pourquoi pas ça, quoi? Pourquoi pas ça?
Hein? En fait, j'avais envie, enfin, vous voyez, quand elle était petite, elle avait les cheveux courts et sa sœur non. Donc voilà, j'ai envie de continuer ce style un peu, afin qu'elles se différencient toutes les deux. Ça, c'est très joli, mais en fait, j'ai pas envie qu'elle soit girly. Mais d'ailleurs, elle a un plus beau visage que l'autre, non? Bon, en fait, ce sera elle, la canon. Non, je vais garder l'autre. Mais c'est vrai que celle-là, elle est plus jolie, en fait. C'est très moche. C'est quoi ce truc? Oh, pourquoi pas? Ça fait assez... assez garçon manqué. Ça, je trouvais ça dégueulasse. C'était la coiffure que je détestais le plus. Ah, ou pourquoi pas un petit bonnet? Ah ouais! Elle est trop belle. Ouais, pourquoi pas ça? Du coup, elle met pas de maquillage, mais... mais elle va mettre... Ouais, ça peut aller. Et voilà. C'est naturel, c'est beautiful. Voilà. Elle est contente en plus. Et mais du coup, bon, du coup, elle a pas les cheveux courts, mais que voulez-vous? Elle est jolie, on peut pas faire autrement. Et sa tenue, j'ai envie que ce soit quelque chose de coolos, noir et tout. Donc du coup, là, on a rien du tout. Et là, j'ai vraiment envie de la changer. Enfin, je vais pas lui mettre ça, quoi, la pauvre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir loin. Ah, on a du courrier. Ah oui, mais elle est fatiguée. Bon, on partira loin demain. D'accord, toi tu choisis la chambre où il y a le plus de bruit. Enfin, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il a un bouton, lui. Faudrait utiliser de la crème. Bon, d'ailleurs, la fête, on s'en fout un peu. C'est une fête merdique. Tout le monde pue. Enfin, voilà, c'est génial. Bon, pourquoi tu te laves pas, toi? N'importe quoi. Prendre une douche. Et elle, du coup, qu'est-ce qu'elle veut faire? Ouais, mais si tu pouvais prendre une douche, ce serait cool, en fait. Ouais. Tu vas aller là. Et tu vas aller te coucher. Donc lui, il est très heureux. Il joue avec sa sœur. Enfin non, il la regarde. Sa sœur arrête. Oula, elle pète. Bon. Ouais, c'est pas la plus belle, hein. Jouer, donc il va jouer un petit peu ah merde, je la confonds avec Brenda maintenant. Donc elle va aller se coucher dans son lit là-bas. Allez, go go go. Donc elle aussi, elle se couche, bah du coup, elle s'est même pas douchée. Oh. C'est énervant quand il m'écoute pas. Je la confonds avec Brenda, ça va être saoulant. Donc. Tu vas prendre une douche, toi. Il y a le bébé qui pleure. Il va falloir s'en occuper également. Qui est en bas? Ah, c'est lui. Qui c'est qui ça? D'accord. Va la plotter. Va la plotter. bon, les enfants, ça suffit. Vous arrêtez de crier partout, hein? Voilà. C'était une super fête. Merci beaucoup. Et je vais prendre le bambino. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas te prendre? Porter. Je vais changer Victoria. Victoria qui est là et qui va dormir par la suite. Le mettre au lit. Victoria et Tom. Tom, il va bientôt se chier dessus. Alors, c'est pareil, on va faire la même chose. On va le changer et après, on va lui donner à manger. Comme ça, il chouinera plus, il ne fera pas chier. Et tout, et tout. C'est là, c'est vraiment là, quand tu joues aux Sims 2 et que tu as joué pendant un moment aux Sims 4, qu'il y a pas mal de choses qui sont quand même bien faites. Enfin, moi, je trouvais que c'était quand même plus logique que les Sims, enfin, qu'il fallait cliquer sur le gâteau pour le mettre. Dans le frigo. Mais c'est vrai que maintenant, dans la Sims 4, ben voilà, tu prends le plat et tu le mets dans ton frigo et c'est vachement plus simple, t'as pas à attendre. Et d'ailleurs, là, j'en aurais bien besoin parce que je ne peux même pas toucher les gâteaux. Donc ça veut dire quoi? Je comprends pas pourquoi en fait. Ben, je vais les mettre là. Oui, on peut même pas supprimer. Je vais mettre ça là. Oh là là, il y a plein de trucs à nettoyer, ça va être le bordel absolu. Oh là là. Oh là là.
En fait, il nous faudrait une bonne, mais bon, on n'a pas vraiment d'argent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et d'ailleurs, le père, qu'est-ce qu'il fout aussi? Prendre un bain à bulles, non mais. Et n'importe quoi. Donc, le père, est-ce qu'il est en forme? Bah oui! Bah lève-toi! Mais qui c'est qui est en bas? C'est qui lui? Ah oui, c'est le père de. Hein? De machin! Je sais plus. Je sais plus trop. Mais ne vous inquiétez pas, je sais que je peux regarder et tout, mais je ne regrette. Bon, d'accord, je regarde. Donc lui, c'est le père de. C'est le fils de machin. Lui, c'est le fils de machin. Et lui. Oui, j'étais déjà dessus. Et elle. Ah, donc voilà, ce sont. Ah, bah c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle est moche. C'est bien pour ça. Oui. Oui. En fait, c'est parce qu'il a un assez long menton. Alors, du coup, sur les filles, ça fait un petit peu bizarre. Enfin, en tout cas, sur Arya, ça fait un peu bizarre, je trouve. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il les met au lit. Donc, c'est parfait. Et lui, bah, en fait, il va venir ici pendant que, quand même, son fils. J'allais dire se prélasse dans la douche. Mais avec cette baignoire dégueulasse, je ne pense pas qu'il va pouvoir faire ça. Donc, je vais d'abord nettoyer s'il le veut bien. Et après, on va prendre une douche. Hop là. Utiliser. Ah, mais toi aussi, t'as de l'acné. Toute la famille là. Ça, franchement, c'est sympa, je trouve, la crème pour l'acné. Je trouve ça vachement réaliste. Et puis, à chaque fois qu'on voyait notre Sims avec des boutons, bah, du coup, on était dégoûtés, quoi. C'était trop marrant. Hop là. Je sais, mais pourquoi tu pleures? Ah! Pour ça! Oh, mais c'est rien! Le fait minable. Qu'est-ce que tu fais là? Bon. Hop, allez ici. Ah, ben oui, son fils n'est pas encore réveillé. Ah! Ouais. Allez, tenir Tom, changer. Non. Une fois qu'on l'aura réveillé, on pourra le changer. Changer Tom. On va le poser ici. Toi, tu dégages de chez nous! Tu dégages! Oh là là, des ballons et tout, enfin bref. En fait, faudrait engager une bonne juste pour la journée, quoi. Lui, il a buggé. Il s'est téléporté. Il était trop bizarre. Donc il va se mettre de la crème et puis il va manger un tout petit peu. Alors toi, est-ce que tu es en forme? Parce que si tu es en forme, tu vas faire des corvées. Donc c'est-à-dire que tu vas réparer ça. Et puis. Je me disais, c'est quoi ce truc? C'est une lampe! Oui! Quelle honte de négliger ainsi ces âmes fins! Tom n'a que la peau sur les os! Donnez-lui à manger! Ben oui! Donnez. Serviez à manger! Serre à manger! Ah merde, t'es là! Je confonds! Ça ne va pas aujourd'hui! Ça ne va pas du tout! En plus, l'autre n'a même pas nettoyé! Qu'est-ce qu'il fait, le nourson ici? Le nourson! Mon Dieu, il est vivant, il est possédé et il marche jusqu'à là-bas. Donc voilà, le bébé il est content, il chouine plus. Bon, par contre, toi, mais vraiment toi, tu vas dégager, hein. La marre. Tu touches pas à mon fils. Non. Fais le ménage. Pourquoi tu veux pas faire le ménage? Dans les Sims 3, il faisait le ménage. Et dans les Sims 2, c'était mal poli. Ah, donc super. Elle, après, va pouvoir se lever et tout. Lui, c'est super. Il a nettoyé. Enfin, il a réparé plutôt. Et bah, toi, qu'est-ce que tu fais en fait? Ah, bah ouais, vas-y. Demande-lui de partir. Hop là. Demande-lui de partir. D'ailleurs, lui, il doit sûrement avoir des devoirs cachés quelque part. Je sais pas où. Donc on va tout nettoyer, c'est parti, je vais vendre ça, comme ça va nous faire un petit peu de monnaie. Hop là. Je vais jeter ça. Ah oui, et je voulais vous dire, bon je sais que certaines... ouais, bref. Je voulais vous dire... Je voulais vous dire qu'il y a certaines personnes qui me laissent des commentaires sur mes vidéos. Et je sais pas, j'ai l'impression que dans leur compte, ils ont pas coché... le fait que je
pouvais leur répondre, enfin que je puisse leur répondre. Bref, j'ai du mal à m'exprimer. Donc en gros, ça signifie que je ne peux pas vous répondre et je ne sais pas pourquoi en fait. Je n'ai pas l'option répondre sur, pour certaines personnes. Donc certaines personnes en fait me posent des questions, j'ai envie de répondre et en fait je ne peux pas parce que je sais pas, il y a un truc bloqué. Donc bah, pour les personnes à qui par exemple un jour je n'ai pas répondu et qu'ils attendent toujours le message ou quoi. Eh bien, peut-être que c'est ça. Donc, allez dans votre, dans vos options de compte ou gérer les comptes de YouTube, je sais pas trop comment c'est et tout. Mais allez là-dedans et pourquoi pas, ben, regarder si les autres utilisateurs ont le droit de vous répondre, de répondre à vos commentaires, à vos messages, parce que peut-être que vous avez coché non et parce que du coup vous posez des questions, mais en fait, ben, j'ai pas le droit de répondre quoi. Donc, c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'il fait? Il va encore donner à manger? Bon, en tout cas, j'espère que vous m'avez compris. C'est vrai que j'ai eu du mal à commencer, mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est une très longue journée de travail. Et vous voyez que là, bah, je continue le travail, quoi, parce qu'avec cette famille de malades, c'est sûr qu'on ne peut pas se reposer ici. Alors, je vais récolter également les simflouzes, pourquoi pas, ça fait longtemps. Et j'ai l'impression qu'en fait, il faut le faire tous les jours, parce que de toute façon, je ne pense pas que ça s'améliore, enfin, qu'il y a plus de sommes. Je pense que c'est tout le temps 30 simflouzes, enfin, on va voir ça tout de suite. Roulement de tambour. D'ailleurs, Brenda, elle va vieillir dans 2 jours, donc il va falloir que je m'occupe de cette jauge. J'ai même pas regardé le montant. Enfin, on va voir celui-là. Allez! Montre-nous. Ah, 40. C'est pas énorme non plus. Et celui-là? Ah, super! Un simflouze! Vraiment, ça nous change la vie. C'est pas possible. On peut pas attraper les lucioles? Ah ouais, non. C'est mignon, quand même. Très joli. Alors super, papa nettoie. Qu'est-ce qu'il pourrait nettoyer? Ah bah super, nettoyer les chiottes. Ah, il jette les... Eh non, tu ne fais pas ça par contre. Jeter, 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 nettoyer. Ah, j'en étais sûre qu'elle était réveillée celle-là. Donc lui, il va poser le courrier ici. Donc en gros, le courrier est égal les factures. Donc 128 simflouzes. Tenir Victoria, qu'est-ce qu'elle a? Toilette, manger. Manger. Toilette. Victoria. Hop, et puis après on la posera ici. Enfin, une fois qu'elle aura fini, on va vérifier qu'elle ait bien fait caca. Parce que c'est très important. On va nettoyer ça également. J'espère qu'il va bien prendre toutes les assiettes. Parce que des fois les Sims prennent une assiette. Et des fois ils prennent la totalité. Donc, je sais pas vraiment. T'es pas vraiment sûr. Ah! Faut sortir les poubelles également. Et ça. C'est le devoir de Camille. D'accord. Je croyais que c'était le journal. C'est quoi ça là? Oh! C'est nos. C'est nos arbres! Bon, ils sont morts. Tant pis, tant pis. Et bien sûr, le journal est ici. Donc pourquoi pas désactiver. L'option journal. Mais je sais pas si on peut. Je crois que si. Appeler. Service. Bah peut-être appeler service, on va voir. Ah merde. On va voir ce que ça fait. Recycler. Je ne peux plus faire d'action. Ah, il a fait bras. Et je vais m'occuper de la petite installée. Ah, mais lui il est en train de nettoyer donc je vais attendre qu'il nettoie. Hop, installée sur la chaise Victoria. D'ailleurs, il a besoin un petit peu de vie sociale. Servir à manger à Victoria. Et puis après, ce qu'on va faire. Bon, il est 5 h du mat donc on peut parler avec personne. Mais pourquoi pas avec les enfants, hein. On va préparer à manger pour la famille, servir petit déjeuner, crêpes. J'espère qu'elle va pas foutre le feu, étant donné qu'il y a un nounours devant. Parce que les nounours, c'est dangereux devant le four. Oh là, elle est malade!
Ah, il faudrait apprendre au bébé. Oh là là, il y en a des choses à faire. Je vous dis pas. Et prendre une douche. Donc du coup, c'est elle qui va... Bah non, elle peut pas. Ouais, bah tant pis, quoi. Ah, toi, tu vas te lever et tu vas regarder la télé, pourquoi pas. Je sais que... Enfin non, jouer à l'ordinateur, parce que regarder la télé, ça marche pas très bien, en fait, pour améliorer... les besoins. Voilà, donc lui fait à manger. Elle va se placer là, bah, tu vas nettoyer. Lui, donc, il appelle les services pour voir si on peut enlever les journaux. Non. 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 Ça doit être dans les Sims 3 seulement. Ouais. Ouais, ça doit être juste ça. Oh, waouh! Mais quelle réussite! Des crêpes cramées! Personne va avoir envie de manger ça, mais ils vont quand même le faire. Tout le monde s'est levé ou quoi là? Qu'est-ce qu'elle fait, Brenda? Ouais, mange, mais c'est moi qui choisis ta part. Alors, et ben elle, elle regarde la télé là-haut apparemment. Moi, je vais lui demander de jouer ici. Faudrait qu'en fait les enfants commencent à faire leurs devoirs. Je crois qu'on va s'occuper de ça pour le week-end parce que bon. Alors du coup, elle, elle reste là. Au moins, elle est calme. Qui pourrait s'occuper d'elle? Parce que lui aussi, il faut qu'il mange. En plus, tout le monde va bientôt partir. Bon, du coup, on se retrouvera seul avec Brenda. Et au moins, on pourra s'occuper donc des enfants. Des bébés, quoi, du moins. Et de la maison. Donc, elle, elle joue toujours. Et ça augmente pas très vite, hein. Donc, imaginez avec la télé. Ouais, ça augmente pas vite du tout. Enfin, d'habitude, ça. Ça augmente beaucoup plus vite. Donc elle, elle mange. Lui, c'est super parce que du coup, il peut parler avec tout le monde. Hop, voilà. Oui, il est Jamie. Ah, d'accord. C'est les Sims 1, oui. Hop, manger. Ouais, ben. Bah... On aura du boulot également au premier étage parce qu'il y a pas mal de bordel. Du coup, ben, elle, est-ce qu'on peut y aller rapidement? Non, il est 8h. Faut quand même qu'elle aille au... à l'école. Quoique. Si elle y allait pas. Écoutez, on va aller appeler. Taxi. Elle va sécher. Parce que elle, c'est une délinquante, ok? Elle a un bonnet. Elle a un bonnet sur la tête. Donc, du coup, elle va partir toute seule. Ouais, toute seule. Et on va aller, pour la fin de cet épisode, lui acheter une magnifique tenue de gangster, ok? Bonjour, monsieur. Lui, c'est notre pote. Il vient tous les jours. On fait partie de la famille. Alors, ouais. Où pourrais-je aller pour m'acheter des tenues branchées? La boutique du coin? Charme à la table, d'abord, là-bas, comme à la table, et voilà, bah, oui. Moi, j'ai peur qu'il n'y ait pas ce que je veux. Alors, boulangerie, épicerie. Moi, je veux des vêtements. Boutique du coin. Encore? Ah, c'est un magasin prêt à être utilisé. Donc ça va pas. Restaurant prêt à porter, habillez-moi. Oui. Ça, c'est un bon intitulé. Au moins, je sais que c'est là qu'il faut que j'aille. Allez, c'est parti. J'aime bien sa tenue d'extérieur. Ça lui va plutôt bien. Arrête de courir. Ouais, ça lui va plutôt bien avec son bonnet.
Par contre, le bus nous bloque. Mais... Voilà, toi tu vas à l'école. Oui! On sèche les cours! Waouh! Nous voilà dans cette magnifique boutique. Alors du coup, je vais acheter une tenue décontractée. Après, le reste, je pense pas que ce soit très très utile. Bon, la tenue d'extérieur, franchement, ça passe. Mais pourquoi pas acheter quelque chose pour sa sœur? Et après, tenue de sport, ben, on la met pratiquement jamais. Hein, donc voilà. Alors, oui, donc c'est là. Donc je suis une adolescente. Ma sœur, pourquoi pas lui donner des vêtements sexy, hein, rose et tout quoi. Ouais, non. Quand même pas ça pour moi. J'adorais celle-là, mais bon, ça, c'est, du coup, ça lui va pas, quoi. Il y en a énormément, quoi, de vêtements, du coup, parce que comme j'ai tous les Sims 2, ça fait pas mal. J'adorais cet habit aussi. Ah, pourquoi pas ça pour la sœur? Sinon, moi je pensais à un truc rose pour l'autre. Ah, sinon, ça. Lui, ça lui irait bien, nous, à Zoé. Ça, non. Mais ouais, genre ça pour Zoé, ce serait marrant, quoi. Allez, on l'achète. Voilà. Et puis pourquoi pas trouver des petits trucs sympas pour la sœur. Ouais, genre une mini jupe avec un petit haut rose. Ah, au rouge, ouais. Après, j'adore la jupe beige en fait. Je l'aime beaucoup. Beige et rose. Pourquoi pas également. Ah, ou ça? Ah, mais du coup, je trouve que la jupe, ça va pas. Je suis très compliquée, les amis. Vous le savez. Bon, déjà, j'achète la jupe. Après, avec cette jupe. Ah, peut-être ça. Ah, ça, c'est pas mal. Ça va faire pas mal de... Ah ouais, ça fait pas mal d'argent. Mais bon, allez. Ça ira pour tout le monde, quoi. Pour toutes les futures filles. Et donc, ce que je voulais faire, c'était acheter également une autre tenue pour Zoé. Zoé qui pourrait mettre, du coup, un pantalon ou voilà, un short comme ça. Ouais, un short comme ça. Foncé, ouais. Allez. Avec un haut style. Ouais. Ah, oh, style ça. Ça, c'est sympa également. Ah, ou non, avec ça, peut-être ça irait bien. Non, ça va pas. Je pense que je vais partir sur le pull. Ça, c'est un pull un peu trop haut, quoi. Ah, ou même ça, c'est plutôt joli. Allez, je vais partir sur le pull. Franchement, je mets bien. Voilà, 1000 simflouz. Oh. Attendez, je vais peut-être supprimer quelque chose. Bon, allez, du coup, ça, je l'enlève. Et voilà. Là, comme ça, c'est pas mal. Ça me va. Voilà, les amis, on a acheté notre tenue. Et puis, maintenant, l'épisode est terminé. J'en conclus avec ça. Et puis, on se retrouvera la prochaine fois. On changera notre Sims et également sa sœur. Et puis, on continuera notre aventure. On essaiera quand même d'avoir des nouveaux frères et sœurs. Parce que là, du coup, Brenda peut avoir de nouveaux enfants. Tiens, tiens! On va se faire peut-être une amie également. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!